Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, l'astuce pour récupérer un téléphone portable tombé dans l'eau. Pour ceci, nous avons besoin d'une boîte en plastique refermable, d'un peu d'essuie-tout et du riz. Le premier réflexe après que votre téléphone soit tombé dans l'eau ou que votre fille de 2 ans trouve sympathique de donner le bain au téléphone, on enlève la coque du téléphone que l'on place sur du papier absorbant, comme cela. Puis, on retire la batterie assez rapidement pour l'essuyer et on place notre téléphone ouvert comme ceci de préférence, si possible, si c'est la clapet, dans la boîte en plastique et on le recouvre de riz, comme cela. On referme la boîte en plastique, on le laisse reposer un petit peu, on secoue un petit peu pour que le riz soit bien sur le téléphone, on le laisse reposer un minimum de 24 heures. Bien sûr, s'il n'était pas éteint, vous l'éteignez immédiatement. Et on va éponger l'eau avec notre papier essuie-tout, comme cela. Et les petites cosses de la batterie, comme ceci. On va bien les nettoyer avec le papier absorbant. Donc, après 24 heures, dans notre riz, on ouvre notre boîte, comme ceci, on récupère le téléphone en faisant attention à bien enlever tous les grains de riz et la poussière de riz qui a pu être collée. On prend notre batterie séchée, on la remet à l'intérieur. Bien sûr, on avait enlevé la puce de téléphone, on remet le clapet et là, on va découvrir ensemble si le téléphone redémarre. Et voilà, notre téléphone redémarre apparemment, normalement. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Sur ce, à bientôt !